c'est-à-dire une maison de production porte plusieurs projets. Il y a des projets qui commencent, il y a des projets qui sont en train de finir. Le producteur, c'est un métier. Mais si vous portez un seul film pendant 2 ans, c'est normal que vous soyez soufflé. Les autres, même ici, les gens, ils arrivent à souffler. Pourquoi? Parce qu'ils font un peu d'événementiel à côté, ils font un peu de film institutionnel à côté. Ils cherchent des appels. Ils cherchent des appels sur lesquels il faut partir pour respirer. Mais si vous portez, si vous êtes producteur, si vous êtes producteur par rapport à votre idée de film, vous n'êtes pas un producteur. Vous êtes un porteur de film. Un producteur, c'est quelqu'un qui va à la recherche des appels, qui cherche également les appels. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'appels il y a par jour. Mais là, j'exagère. Mais en réalité, les vrais appels, ce sont les appels qui n'ont jamais été formulés. Nous, notre société a besoin de produits audiovisuels partout. Que ce soit au ministère de la Culture, au ministère des Mines, dans tous les ministères, dans les écoles primaires, partout, il y a des projets. Les gens ne formulent pas, ils ne savent pas mettre le doigt là-dessus. Et tous les producteurs qui s'en sortent, ce sont des gens qui vont proposer des idées. Les dîners gala. Les gens font les dîners gala. Miss Côte d'Ivoire. Tout le monde dit Miss Côte d'Ivoire, c'est de la prostitution, c'est quoi? Miss Côte d'Ivoire, c'est l'endroit où il y a le plus de richards qui vont s'asseoir. C'est là-bas qu'on peut causer avec quelqu'un. Bonjour, moi je suis. Est-ce que je peux avoir une carte de visite? Et tant en temps. C'est des ans. C'est là-bas qu'il faut partir. Mais vous êtes assis chez vous à la maison, vous avez une idée de film, vous dites je suis producteur. Vous êtes producteur de quoi? En attendant, vous vivez de quoi? Mais si vous ne vous levez pas, vous ne bataillez pas. Vous critiquez Miss Côte d'Ivoire. Mais Miss Côte d'Ivoire, tout le beauté est là. Quand les gens disent place VIP, 50 000, place Denis Kacha à 10 000, vous payez 10 000, vous êtes assis derrière. Mais les VIP sont devant.